Bonjour et bienvenue sur le circuit Gilles Villeneuve où se déroule la séance de qualification du Grand Prix du Canada. Avant le début de cette séance de qualification qui, on l'espère, nous réserve son lot de surprises, pourriez-vous nous révéler comment un pilote doit s'y prendre pour tirer le meilleur parti de sa monoplace ? Tout d'abord, n'oublions pas que la règle du parc fermé est très handicapante. À l'époque, avant l'année 2004, il fallait travailler sur les réglages des qualifs et les réglages de la course durant l'entraînement. Et on passait de l'un à l'autre après la séance de qualification. Parfois, la voiture de course était très différente de celle des qualifications. À l'heure actuelle, il faut trouver un compromis adapté aux deux configurations. Il est tout de même possible d'ajuster certains paramètres pendant la séance, comme le différentiel, l'équilibrage des freins et l'inclinaison de l'aileron avant. Mais c'est à peu près tout. Il faut donc optimiser les éléments dont on dispose et adapter son style de conduite aux conditions du circuit. C'est plutôt calme en ce moment. Autant en profiter pour faire quelques tours de piste, non ? Fantastique, tu viens de signer le meilleur chrono.
jusqu'ici est de 1 minute 16,3. Tout est prêt pour la course de demain, mais avant de commencer, regardons rapidement qui sont les premiers pilotes sur la grille. Le rookie, Hamilton et Valtteri Bottas. Les qualifications sont terminées, la grille de départ est maintenant établie pour la course de demain, alors ne manquez surtout pas ce Grand Prix qui devrait tenir toutes ses promesses.